فشابه الصوم لله يجزي كيف شاء به يا رحمة الله اجزي الذنب بالكرم Pour vous, qu'est-ce que le ramadan ? Alors le ramadan, pour moi, c'est un mois saint qu'on attend toute l'année. C'est le moment de se rapprocher d'Allah, de faire des bonnes actions et de petit à petit se rapprocher du dîn. C'est pas seulement pas manger, pas boire, c'est aussi faire des bonnes actions, se rapprocher de la sunna au maximum. Enfin, pour moi, c'est ça le ramadan. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que pour vous le ramadan ? Alors le ramadan, c'est quand c'est pendant un mois, je crois. On a, enfin, il y a certaines, je sais pas, restrictions au niveau de la nourriture déjà, puis voilà. Période de jeûne. Ouais. Concrètement, ça donne quoi la période de jeûne ? Religion, moi je dis, il y a quand même. Abstinence. Vous connaissez des musulmans qui font le ramadan ? Oui. Concrètement, ils font, enfin, ils font quoi ? C'est quoi qui change ? C'est leur façon de le repas, la façon, les horaires et tout. Et concrètement, dans le comportement, il y a des choses qui changent par rapport au reste de l'année ? Je pense que oui, même si toute l'année on devrait avoir le bon comportement pour le musulman, je pense que le ramadan ça favorise le bon comportement, enfin je veux dire, pas manquer de respect, pas insulter, aider les autres, enfin je veux dire, c'est un mois sain quoi. Ouais. Vous connaissez des personnes qui font le ramadan ? Ouais, je connais vite fait, ouais. Ouais. Vous êtes déjà parti manger chez une personne qui fait le ramadan ? Non, jamais. Non, vous ne savez pas ce qu'ils mangent particulièrement ? La shorba, des briques, ça veut dire rien ? Non, rien. Ils mangent pas, ils boivent pas. Voilà, ouais. Et toute la journée, même la nuit ? Non, la nuit, ils mangent. Et le coucher du soleil. D'accord. Mmh. Vous avez déjà été chez une personne qui fait le ramadan le soir manger ? D'accord. Ça se passe comment le soir à la maison ? Elle fait son repas, elle fait. Voilà quoi. Ouais. Elle mange pas la journée, elle boit pas. Non. Mais j'ai des collègues qui le font, oui, ouais, et qui nous ramènent des bons gâteaux après. Voilà, ouais. Et sinon, est-ce que vous voyez un changement au niveau des comportemental des musulmans, par exemple ? Concrètement, ça donne quoi ? Concrètement, je pense qu'ils sont plus calmes. Oui, tout à fait. Pendant le jeûne, ouais, pendant le ramadan. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ma copine. Ouais. Après, c'est voilà. Plus calme, ça veut dire quoi ? Concrètement. Plus calme, plus posé, moins agressif, moins. Pourtant, quand on arrête de manger, on devient agressif, mais c'est le contraire. Ouais. Mm. Moi, je suis d'accord aussi, ouais. Mais par rapport à mes collègues, oui. Elles sont plus calmes, elles sont moins. Plus sereines. Ouais. Je pense qu'on fait moins preuve d'égoïsme, puis se regarder ce qu'il y a autour de soi, voir les gens qui sont. On va dire qu'ils ont moins de chance que nous, et je pense que ça favorise la foi, de voir comment ça se passe ailleurs. Ouais, tu vois une différence ou pas entre les musulmans pendant le mois du ramadan et les non-musulmans ? Non, franchement, je vois pas. À part ne pas boire, ne pas manger, il n'y a pas de différence. Ouais, si, mais franchement, je vois pas, là. Ah, d'accord, parce que vous savez que c'est un petit peu l'état, justement, spirituel d'une personne qui s'abstient de manger, en fait. C'est le rapport entre l'âme et le corps. En fait, lorsqu'on s'abstient de manger, du coup, on a plus la spiritualité qui est mise en place. C'est la raison pour laquelle, eh bien, justement, on est moins dans l'agressivité, moins dans le... Ah, exactement. C'est vrai que moi, des fois, je vous admire, parce que je me dis, dans les autres années, s'il n'y a pas la canicule, comment elles vont faire pour ne pas boire ? Je me dis, mais je les admire, moi, je ne pourrais pas. Non. Croyez-moi, peut-être que parce que vous n'avez pas essayé, mais je suis sûre que si vous essayez, vous y arriverez. Oui, oui, oui. Non, j'ai pas l'intention d'essayer non plus. J'aime bien manger. Mais c'est vrai que moi, je suis chrétienne, pendant le carême, ça m'est dur de me priver de gâteau. Je vous cache pas. Hein. Ouais. Vous y arrivez pourtant. Une question de volonté. Et puis c'est vrai qu'un petit peu comme tout est assez mental. Et puis quand on veut, on peut. Ouais, d'accord avec vous. Avec la force, on arrive à tout. Hein. En tout
tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et puis, bah, j'espère que vous mangerez bien des bons petits gâteaux de la part de vos amis qui voilà, voisins, amis qui vous en offriront. Voilà, merci bien. Vous savez que le ramadan, c'est bientôt, Inch'Allah. Vous êtes préparé un petit peu psychologiquement ou je sais pas, parce que vous avez fait des préparatifs Toujours un mois avant le ramadan, je jeûne quelques jours pour mettre dans le bain, entre guillemets. Puis sinon, toute l'année, j'essaye de jeûner le lundi, le jeudi. Comme ça, quand le ramadan il arrive, entre guillemets, ça fait pas trop un choc, un bouleversement, excusez-moi. Et puis voilà, c'est un mois qui est très attendu. Moi j'attends avec impatience. Wallah. C'est beau ce que vous dites, c'est très beau. Et sinon, pendant le ramadan, bah, pour ceux qui ne le font pas, le soir, donc je sais que vous mangez après, que nous mangeons après le coucher du soleil, concrètement, qu'est-ce qui change au niveau de la nourriture? Il y a des plats particuliers? Il y a des préférences? Moi, bizarrement, arrivé à l'heure du ftour, je ne mange pas énormément. Je pense que toute l'année, on est gourmand, on se goinfre, entre guillemets. Et le fait qu'on ne mange pas pendant le mois du ramadan, toute la journée, bah, je pense qu'on apprécie plus la nourriture. Enfin, je veux dire, on se rend plus compte qu'Allah, ce qu'il nous fait pour nous, tu vois, il nous apporte de la nourriture. Enfin, je veux dire, alors que toute l'année, on mange, comme si c'était normal. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas l'opportunité de manger. Enfin, je veux dire, on voit plus la valeur de la nourriture. C'est vrai qu'on est plus à même de remercier la grâce de Dieu. D'accord. Et sinon, le matin, le suhoor, vous mangez quoi? Alors moi, des céréales. Du lait, des céréales, des gâteaux, mais je mange pas tant que ça. Plus à boire, parce que moi, pendant le ramadan, la faim, je la ressens pas trop. C'est plus la soif, plus déshydratée, mais bon, après, c'est psychologique. Enfin, je veux dire... Mais je mange pas énormément. Vous avez, je sais pas, un petit mot à dire pour tous les musulmans, une petite dédicace, histoire de... Pour, je sais pas, votre famille, les musulmans. Pour les musulmans, ce que je souhaite, c'est que ce mois, il nous rapproche encore plus d'Allah et que, Inch'Allah, Ya Rabbi, qu'on se détourne pas, que le shaitan ne nous prenne pas dans ses mains. Wallah, parce que tous, on a tellement de choses à corriger chaque jour et j'espère que ce mois du ramadan, ça va nous aider à rester dans le bon chemin après. En gros, ne pas faire les choses correctement pendant le ramadan pour tout lâcher après, c'est tout ce que je demande. Inch'Allah. Barakallahu fik et puis ramadan mubarak. Oh,